Yo les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de rap. Kekson dévoile son top 5 des rappeurs de la NG et c'est du haut niveau les gars. Bref, avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si c'est fait, let's go. Kekson est un véritable pilier du hip-hop guinéen. Il est musicalement absent et son dernier clip, Guinéen Gangsta, sorti en mai, comptabilise plus de 300 000 vues sur YouTube. Le rappeur continue de faire parler de lui sur les réseaux avec ses pics. Récemment invité dans l'émission Thé ou Café, Kekson a dévoilé son top 5 des meilleurs rappeurs de la nouvelle génération. Le roi de la ville semble suivre de près l'évolution de cette nouvelle génération. Du coup, il n'a pas hésité à citer ses 5 préférés. Sur ce classement, il place MC Fresh au top 1 comme le meilleur rappeur de la NG. A rappelé que MC Fresh est le seul rappeur de la nouvelle génération avec qui il a sorti un feat intitulé Kabila qui est déjà disponible. Il cite Tordi en top 2, suivi de Maxime Beka, Sauro, Striker qui occupe la 3e place. Pour finir, il cite le talentueux AK-47 à la 4e place tout en gardant le mystère sur la 5e personne. Pour ne pas faire de dégâts, dit-il. Je vous laisse découvrir un extrait de l'interview où il nous explique les raisons de ce classement. Alors, Kekson, cite-moi tes top 5 de la nouvelle génération que tu écoutes maintenant. MC Fresh, Third. Attends, faut pas faire de dégâts, hein. Faut bien réfléchir. MC Fresh, Third. Sauro, Maxime Beka, Striker, Execo. Maxime Beka, Sairo et Striker, Ezeko, 3e place. 5e place, Maxime Beka. Ils sont tous 3e. Ah, ils sont tous 3e. Donc Sairo, Maxime Beka et Striker. Puis Striker. Des Ezeko, 3e place. Ouais. Donc attends, ça veut dire MC Fresh, c'est le meilleur en fait. C'est le top. Meilleur que Third. Third, il est bon. MC Fresh, il. Non, attends. MC Fresh, il est meilleur que Third. Ouais. Meilleur que Maxime Beka. Ouais. Meilleur que Striker. Pour moi, ouais. Ouais, meilleur que, oui, c'est pour toi. Oui, bien sûr que c'est pour toi, oui, en fait. Oui, bien sûr. Parce que tu vois, il y en a qui pensent que Martin Beka, c'est niveau panard, quoi. Et que Striker, ouais, il peut se débrouiller, quoi, en fait. C'est à eux, c'est leur. Ouais, c'est justement ça. J'ai mes, donc, pour j'ai toi, mes la indices nouvelle de jugement. La nouvelle génération, c'est Fresh. Ouais. Ok. Ouais, et AK-7. AK-47. Il est bon, il est dans un autre délire, lui. Ouais, c'est la nouvelle génération. Il est dans le délire en fait, PNL, tout ça. Toi-même, tu l'as pas cité dans. Non, dans je l'ai pas cité. J'ai demandé ton top 5. Oui, il est bon, tout ça. Tu le mets au premier. Mon top 5 veut pas dire que j'aime pas les autres. Non, ils sont pas bons. Est-ce que AK-47. D'accord. Après les 3 ex-echo, AK-47, 4e. Attends, tu veux dire MC Fresh rappe mieux que AK-47? AK-47, il est plus dans le chant déjà. Qu'est-ce que je te dis, c'est du rap chanté, tu vois. C'est comme du PNL, c'est comme qui encore un peu du Hamza, tu vois. Mais plus dans le délire de PNL, Myers. Ok. Tu vois. Donc tu préfères. Le rap dur, quoi, c'est ça. Non, c'est un flow, il est en train de ramener en Guinée. D'accord. Pas que je préfère le rap dur, j'aime bien ce genre. T'as raison, il faut pas faire du dégât. Les gars, êtes-vous d'accord avec ce classement? Et dites-moi, selon vous, qui doit occuper la 5e place de ce classement? C'est la fin de cette vidéo. Peace.